En Russie, le cinéaste Kirill Serebrennikov a été reconnu coupable de fraude. Le jugement a été rendu ce vendredi par un tribunal de Moscou. Plusieurs partisans du réalisateur étaient venus lui exprimer leur soutien à l'extérieur du palais de justice. La juge n'a pas précisé la peine correspondant à ce verdict. Le parquet avait requis 6 ans de prison. Kirill Serebrennikov est accusé d'avoir détourné des subventions publiques d'équivalent d'1,5 million d'euros à des fins d'enrichissement personnel, ce que l'artiste a toujours nié. Réalisateur et metteur en scène, Kirill Serebrennikov a été arrêté en 2017 puis assigné à résidence jusqu'en avril 2019. Ses partisans estiment qu'il fait les frais de ses créations artistiques engagées qui déplaisent aux autorités russes. Serebrennikov bénéficie du soutien de nombreuses personnalités culturelles russes et étrangères. Il a également reçu plusieurs distinctions artistiques en France.